Coucou YouTube, bienvenue pour la suite de... j'ai un problème avec Zelda, de FF7 Rebirth, j'espère que vous allez bien. On continue, on va retourner voir Yuffie, apparemment, visiblement, est-ce que Yuffie va bien? Et je vais manger en parallèle, donc vous étonnez pas si je parle pas à un moment ou quoi, c'est parce que je suis en train de grind. Il va forcément se passer quelque chose. Elle est folle. Faites attention si vous sortez en mer. Au fait, les amis, vous êtes bien une faction d'Avalanche? Comment tu sais ça, toi? Pour tout vous dire, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien plus que pour le groupe principal, d'ailleurs. Ah, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Dites, on pourrait se voir plus tard? J'ai un service à vous demander. Et puis, je dois encore vous remercier, hein? Dans ce cas, t'as qu'à... venir à l'auberge demain. Génial. Bon ben, à plus. Chut. Moi aussi, je trouve qu'elle en fait trop, pour être honnête. Mais bon, c'est qu'une gamine. On peut toujours écouter ce qu'elle a à nous dire. Pourtant, t'avais l'air drôlement content. Quoi qu'il en soit, retournons à l'auberge. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Elle est folle, hein. Vraiment, je pense qu'elle va nous saouler, frère. Ça va être le rigolo de l'équipe. Elle va pas arrêter de faire n'importe quoi, c'est sûr. On verra bien, mais ouais. Elle est space, hein. Ah, nos chers héros, je suis content de vous voir. On m'a raconté vos exploits sur la plage. Merci je à tous mes fans. Infiniment. Ronda m'a tout expliqué. Et elle m'a demandé de faire en sorte que vous soyez bien accueillis. Bien. Laissez-moi voir ça. Il vous faut 4 chambres, n'est-ce pas? Nous allons plutôt en prendre 5. Comme il vous plaira. Ah, ne vous en faites pas pour la note. Nous vous devons bien ça après ce que vous avez fait pour nous. Bon, je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez bien. Croyez-moi, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu autant de clients. Sinon, vous savez, 4 chambres... Je vais dans la chambre de... vous savez qui, et puis ça se passe bien, hein. Barrett ? C'est ouvert. C'est Barrett. La gamine de tout à l'heure, là, Yuffie, elle voudrait nous demander un service. C'est quoi, ton avis ? Elle veut peut-être rejoindre Avalanche. Je connais par cœur, je connais par cœur. En réalité, on aurait besoin de toute l'aide qu'on nous offre, mais bon... On n'a pas vraiment le temps de faire du babysitting, là. Va falloir qu'on s'en débarrasse gentiment. En tout cas, je pensais pas qu'on tomberait sur nos avis de recherche ici. Allez, on va aller voir tout le monde. On va faire copain-copain. Tu veux qu'on soit copain-copain? Pardon. J'ai essayé de résister de toutes mes forces. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés. Hein? Mais... C'est qui parle à Iris, là? Je vais le déglinguer, là? Qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi, exactement. C'est une sensation vague. Saleté de fileur. En tout cas, on ne les voit plus. Ah. Oh. Cloud! Tu parlais avec qui? C'était Red? Ah bon, d'accord. Tu t'inquiétais? C'est gentil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Mais il y a une douille là! C'était pas sa voix! Entrez! On est d'accord que c'était pas sa voix! Je suis pas fou! Bon, bouge pas, Iris! Je veux te causer, hein, mais avant ça, il y a un coffre. Les coffres avant tout. Bâton d'impératrice, let's go, on va lui équiper. J'ai appris le truc, hein. Ouais, chronophore, c'est bon. Saut étincelant. Achever un ennemi avec une attaque magie normale depuis un saut magique. Crée un saut magique renforçant les attaques normales d'Aeris et annulant les dégâts subis par elle et ses équipiers lors du lancement des sorts.
Mais c'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien. Augmente les dégâts de foudre. Prends 25% de la durée des sauts de magie. Augmente 25% de la quantité de PM absorbée avec la création de mana. Augmente les PM de 3. Non, ça c'est nul ça. On va prendre ça. Alors Iris, ça fait pas si longtemps c'est ton qu'on tour. A quitté Midgar. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir voyagé au bout du monde. Je me demandais si ma mère et Marlène allaient bien. Tu voudrais rentrer? Mais non. On doit continuer à poursuivre Sephiroth. On est bien. Ouais. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés? Oui. Non, non. C'était à l'église, non. C'est ça? Perdu. Ah, ça, putain. C'était la deuxième fois. Non, non, je recharge. J'ai pas pu, en fait, j'arrivais pas à lire. Sur les toits avant. Je me suis bien amusée. Non, mais non, mais... Pas déconner, là. Oh, putain, c'est assez longtemps. Hop. Désolé, je restart ça, c'est hors de question. En fait, je suis resté bloqué sur... c'était à l'église, et après j'ai fait, mais non, ça c'est Zach. Et puis hop, et puis j'ai... Désolé, hein, je suis encore enrhumé. J'ai encore mes qui coule. Restart-moi ça là. Ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fous. J'ai fait le con, j'ai fait le con. Je vais sauvegarder après chaque dialogue, comme ça il n'y aura pas besoin de tourner. La Yuffie qui va arriver comme une furie. Naruto Run. Non, non, y'a pas de en fait, casse-toi. Hop. Ah, nos chers héros, je vous remercie. Attends, je peux. Infiniment. Ronda m'a ah, je peux passer comme ça. Bien. Laissez-moi. Pas sûr que ça soit plus rapide, hein. Bon, je pense qu'il est temps qu'on aille se reposer. Nos chambres sont petites, mais j'espère que vous y dormirez. Attends, mais on va écouter si c'est bien Rouge Press qui parle. Je n'avais pas eu autant de clients. On va voir si c'est Red. Tac tac tac. C'est ouvert. Blablabla. Bla, bla. La gamine de. C'est quoi ton avis? Rejoindre Avalanche. Elle veut peut-être rejoindre Avalanche. En réalité, on aurait besoin de toute l'aide qu'on nous a. On n'a pas vraiment. Va falloir qu'on s'en débarrasse gentiment. Alors écoutons Red. J'ai essayé de résister. Ah mais attends, si je réponds que c'était à l'église, ça appuie le fait que je crois que Zach c'est moi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Clin d'œil. Mais au final, j'ai rien pu faire. Ouais, c'était pareil pour moi. Ils me les ont arrachés. On est d'accord que c'est pas sa voix. Et on sait qu'il nous manque quelque chose. C'est très bizarre. Par contre, impossible de savoir quoi exactement. C'est une sensation vague. Saleté de fileur. En tout cas, on ne les voit plus. Oh. Oh. Cloud! Tu parlais avec qui? Oh. Je suis désolé, c'était pas, c'est pas sa voix. Ah bon, d'accord. Tu es jaloux? C'est comment là? Clin d'œil, clin d'œil. Tu dois être fatigué. Tu devrais te reposer. Ouvre cette porte là. Putain, mais j'aurais pu skip, je suis con. Entrez. Entrez. Je récupère ton coffre. Je change d'équipement. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Bon, j'ai deux LR, mais ce genre de truc, je veux surtout pas. Me faire avoir, je vais réussir, je vais avoir les bons choix et tout. Quand je connais le choix et que je fais de la merde, ça fait chier. Je me demandais si ma mère et Marlène allaient bien. Tu voudrais rentrer? On doit continuer à poursuivre Sephiroth. Ouais. Dis, est-ce que tu te souviens de la toute première fois qu'on s'est rencontrés? Oui, tu voulais me vendre une fleur. Je te l'ai offerte, je te rappelle. Cette fleur, je l'ai vue dans un vase au septième ciel. Et à mon avis, c'est Tifa qui l'a mise là. Ah,
C'est possible. Quand on reçoit un cadeau d'une fille, c'est peut-être pas une très bonne idée de l'offrir à une autre fille. Ouais. On va dire que c'est oublié, pour cette fois. Où sont les hommes en manteau noir ? C'est pas moi. C'est quand même bizarre. C'était pas voulu. C'est pas moi qui ai choisi aussi, là. Il a fait ce qu'il voulait, Cloud. C'est trop de balle. Je vais en sauvegarder à chaque fois, hein. Comme ça m'évite de recommencer si jamais je fais pas le choix que je voulais. C'est l'idée de nous mettre du temps aussi, là. Entre. Entre. Moi j'ai hâte de voir Actifa, là. Ce qu'elle va me dire, là, si elle me fait encore la tronche. L'odeur de la marée est vraiment très forte ici. Ça trouble mon odorat. Je risque de ne pas sentir la Shinra arriver. C'est pas grave. J'ai la truffe qui gratte. C'est très désagréable. J'ai la truffe qui gratte. Mais c'était nul. C'était quoi ce dialogue là? Barrette, on a eu... Bon, tu me dis, Barrette, c'était pas nous non plus. Attends, j'ai raté Tifa ou pas là? Non, je pense qu'il est juste à l'étage. Je pense qu'il est juste à l'étage. Ah bah, les trucs d'affinité, j'adore ça. J'adore tout augmenter, être compact avec tout le monde. J'adore ça! Dans les jeux. Je ne vis que pour ça. Ah! Cloud! Oui? Tu tombes très bien. En fait, je voulais justement te voir. Moi aussi. Je voulais m'excuser pour calme. Ah. Entre. Entre, mon gros cochon. Oh non. J'ai douté de toi. J'aurais pas dû. C'est rien. Je te dois aussi des excuses. Dis. Tu te souviens d'Emilio, de Nibelheim? Le fils de l'épicier. Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis... il avait pas mal changé. Ah ouais? Et tu sais quoi? En plus de ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue, je t'écoute. Oublie. Attends, c'était encore un test? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, si, peut-être un peu quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois? Faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit. Oh, ils sont coincés du cul, ces deux-là. Pas possible. Je peux retoquer? Désolé, je tombe de sommeil. Mais vieille meuf, t'es derrière la porte, je te vois. Je vois ton... Je... Coucou YouTube. Bon YouTube, soit il y a eu un épisode très court,
soit je me suis fait chier à faire un montage entre les deux. Attends, je vais regarder combien de temps dure la vidéo. Je voulais remettre la caméra, j'ai appuyé à côté, putain. Je savais que ça allait m'arriver. Ça dure combien de temps la vidéo? 14 minutes, ouais, je ferai un petit montage pour scinder les deux épisodes. Faut juste que... attendez, deux petites secondes. Hop, renommer. Partie 1. Pouf. Désolé de cette petite éruption. Je vois le petit smiley là. Attendez. Là, je vois que tu es derrière la porte. Je te vois. Je te vois. Tout ça pour faire ça, putain. Alors attendez. Du coup, j'enlève la cam. Putain, faut que j'enlève ce bouton rec. Hein. Faut que j'enlève ce bouton rec. C'est terrible. Du coup, on va juste faire un truc. On va re-sauvegarder. On va garder ce choix-là, je pense. Hop, faire une nouvelle save. Tac, et on va recharger celle-ci. Je crois. Normalement, j'aurais être devant là. Ouais. Et on va tester l'autre choix là. Il y a que toi qui m'intéresse. Hein. Ou un truc dans le genre. Je suis assez curieux de voir ce qu'elle va dire. La seule qui comptait pour moi, c'était toi. Tu sais, c'est le fils de l'épicier. Ah. On va rester comme ça, j'aime bien. Emilio, donc, avait quitté le village peu de temps avant ton départ. Je l'ai revu pour la première fois l'année dernière, au bar. Je m'attendais pas à ça. Il disait qu'il venait presque jamais au bidonville. Et puis, il avait pas mal changé. Ah ouais. On relaisse la cinématique pour la... Et tu sais quoi? Pour le plaisir de la plus laisser. De ça, il était avec une fille. Elle était plutôt jolie, je dois dire. Ça n'a pas l'air de te passionner. Pas trop. Mais bon, continue, je t'écoute. Oublie. Coincé du cul. Hein. Attends, c'était encore un test? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, ça l'a pas dérangé de dire qu'il y avait elle que je comptais pour elle. Enfin, elle était si. Toute gênée, là. Peut-être un peu, quand même. Pardon. T'en fais pas. On reparlera de tout ça. Carte sur table. Et cette fois, faudra que ça vienne des tripes. Je ferai une série d'abdos. Bonne nuit. Je suis désolé, hein, mais... Iris, elle ira voir Zach. Nous, on reste avec Tifa, hein. On est d'accord là-dessus. Tifa, il y a le passif, il y a tout. Il y a tout. Il y a le passif, et puis c'est Tifa, désolé, quoi. Je tombe de sommeil. Tifa, Cloud, Iris, Zach, et puis basta. Il n'y a pas de choix à faire. C'est comme ça, et puis pas autrement. De toute façon, c'est moi qui décide. Bah, tu fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Ouais, il y a vraiment un truc entre les deux, hein. Ils se cherchent, hein, clairement. Donc on va rester focus Tifa. Et bon, on essaie d'être copains avec tout le monde, hein, avec Yuffie, avec Iris, avec Barrett, avec Rouge 13, Red 13, avec du coup potentiellement Vincent, potentiellement Kate Seat. Même si je crois qu'on pourra les jouer, hein, mais je suis pas sûr. Je suis pas certain à 100%, du coup je dis pas, mais je crois qu'on pourra les jouer. Parce que j'ai alors je me suis spoil sur rien, mais j'ai quand même vu des petites miniatures passer par-ci par-là, des photos et... Du coup, je suis pas sûr de ce qu'on pourrait, de qui avec qui on va pouvoir jouer, avec qui on va pas pouvoir jouer, ouais, ou avec qui, enfin quoi qu'est-ce. Mais dans la logique de l'original et des miniatures que j'ai vues, on est censé croiser tout le monde. Même si je crois que je l'ai vu passer à un moment, mais je suis pas sûr de ça. Mais j'avais vu une mini avec toute l'équipe au complet, donc j'imagine que on va les voir. Mais du coup, on essaiera d'être copains avec tout le monde, mais on va focus Tifa Cloud, tu vois.
Et puis si Zack se ramène, bah ça sera avec Iris, tu vois. Enfin genre on va faire les entremetteurs, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ouais, continuons. Et dormons. Putain, j'ai coupé la rediff, ça fait chier. Je vais devoir faire un rendu de 10 ans là. Je vais devoir faire un rendu de 10 ans pour R. En tout cas, Tifa elle a bien aimé le. Ah, je pensais qu'à toi, gna gna gna. Ça a bien marché ça. Ça. Je suis fier de nous. Il fait vraiment des abdos, hein. Allez, entrez. Hey. Ok. Je crois bien que tout le monde est là. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Yuffie, agent d'élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je suis une grande chasseuse de materia. J'ai fait tout ce chemin pour lutter contre les activités malfaisantes et brutales de la compagnie Shinra. Et je suis la fière descendante d'une famille de shinobi. Chut. T'es du Wutai? Elle est folle. Oui. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai dit que j'avais un service à vous demander. Alors, ça vous tente de faire équipe? À vrai dire, quitte à coopérer, j'ai toujours pensé que votre faction valait mieux que le reste. Mais attends, le travail d'une shinobi, c'est d'espionner ou de tuer, non? Désolé, mais c'est absolument pas le genre de choses qu'on fait, nous. C'est des préjugés. Mais cette fois, c'est peut-être vrai, en fait. Je me pose tout de suite, parce qu'il y a un truc qui m'a traversé l'esprit, et j'ai envie d'exploser mon crâne. En fait... Je me pose une question. Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas de monde parallèle? Je m'explique. En gros, les fillers, ils avaient fait un dôme géant de Midgar. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on a vu que Midgar était full détruit. Genre Midgar, vraiment, il a été explosé de partout. Il y avait tout qui était pété. Et du point de vue du groupe qu'on a là, quand on regarde au loin, ça n'a pas l'air pété de tous les côtés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, est-ce que, juste par hasard, est-ce qu'en fait, il y aurait pas une sorte de dôme qui reflète une espèce de réalité un peu à l'épisode de Code Yoko, où vous savez, quand Xana avait enfermé, je sais plus qui, c'était peut-être Aelita, je sais plus, mais dans un dôme où elle vivait comme si elle était pas dans le monde réel, mais en fait, elle vivait comme si elle était dans le monde réel, mais en fait elle l'était pas, elle était dans Code Lyoko, enfin dans Lyoko, un peu à cet aspect-là. Et du coup, en fait, il y a un dôme invisible qui est, du coup, quand t'es pas dedans, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois une image de ce qu'il y a, et que quand tu rentres dedans, bah tu vois un espèce de fausse, enfin tu vois le vrai Midgar, mais en même temps le faux à la fois, parce que on avait vu Aerys et tout décédé avec Zach. Est-ce qu'il y a pas un délire comme ça, une espèce de dôme qui modifie un peu l'espace ou quoi? Je sais pas, mais ça m'a traversé l'esprit là. Je sais même plus pourquoi, mais ça m'a traversé l'esprit. Bref, continuons. Quoi encore? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait tout ce chemin depuis chez moi au Wutai. Et j'ai dû faire preuve d'une grande ingéniosité pour réunir l'argent nécessaire afin de poursuivre ma mission contre la Shinra. Et donc, j'ai cherché comment gagner quelques guilds dans le coin. Et juste à ce moment-là, Madame Rhonda, elle me dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour un assassinat. Devinez donc qui est la cible? Alors, vous devinez? Dépêche-toi de nous le dire. Attention, tenez-vous bien. C'est le nouveau président de la Shinra. Oui, Rufus Shinra en personne. Alors, vous êtes surpris? Rufus doit bientôt venir à Junon, il paraît. Juste au-dessus de nos têtes.
On va organiser une parade pour sa prise de fonction, à ce qu'on dit. Les gens de ce village, ils vouent une grande haine à la Shinra depuis que la compagnie les a privés de leur pays et du soleil. Voilà pourquoi ils veulent l'assassiner. Ha ! Bah tiens, sans blague. Rhonda, elle a l'intention de me payer avec l'argent que la Shinra offre pour votre capture. Quoi ? Oh, pas de chance. On dirait qu'elle vous a déjà vendu. Bien, vous êtes d'accord pour coopérer alors ? Pour ce qui est d'aller en haut, vous devriez demander à Priscilla. En tout cas, je compte sur vous. Si tu ne sors pas vite de là, c'est moi qui vais entrer avec ma moto. Tu m'as bien compris, mon ami ? C'est qui ? Mieux vaut pas rester ici. Bon allez, sortons. Ouais. Un sacré Gugus. Ah, je l'adorais, lui, il est de retour, je suis trop content. Il était trop drôle, il était fou un peu, mais il était très drôle. Au début, je pensais que c'était... Quand j'ai entendu... Vous êtes là, mon ami, je sais pas quoi. Je crois que c'était en mode... elle essaye de nous piéger. Enfin, Yuffie essaye de nous piéger en mode... elle fait semblant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il va être de notre côté, le gaillard. Je pense. Allons, ne reste pas perché là-haut. Et descends vite me voir, s'il te plaît. S'il te plaît. Je veux pas voir avec Barrett. Triste. Je suis triste. Et je veux parler à personne. C'est nul. Laissez-moi vous parler. Laissez-moi parler aux gens. Laissez-moi profiter de mes amis. Mes amis dans le jeu. Oh, il est fou, il me termine. Il est dans son délire et puis c'est tout quoi. Je check hein, au cas où. Si je vois pas quelqu'un à qui je peux parler, mais visiblement j'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit au bonheur. Personne veut me parler là, ils me font tous la tête. Combien de temps comptes-tu encore me faire attendre ? Je suis là. Dépêche-toi mon ami. Je suis là. Ah, te voilà enfin, mon cher ami. Toujours aussi distant à ce que je vois. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai l'honneur d'avoir été affecté à l'unité spéciale de sauvetage d'Aeris. C'est pour t'en informer que je suis venu te voir. Moi ? Et tu t'es pointé seul ? Oui, parce que je suis uniquement passé te saluer. Qui plus est, ce n'est pas dans ce modeste village que nous pourrions danser comme bon nous semble. Ça n'aurait pas le moindre intérêt si on ne se donnait pas à fond, n'est-ce pas ? Mais là-haut, je nous ai préparé la piste de danse idéale. Crois-moi, j'ai vraiment hâte que tu viennes m'y rejoindre. Mon cher ami ! Il me gonfle déjà, ton pote, là. Je crois qu'il vaut mieux partir d'ici. Le village n'a pas besoin d'ennui. Pour se rendre en haut, il faut demander à Priscilla, non ? C'est ce qu'a dit Yuffie tout à l'heure. Ce motard de la Shinra, il était tenace. C'est vraiment tout ce que t'as à nous dire ? C'est pourtant bien toi qui nous a dénoncés. Tenez, c'est pas grand-chose, mais c'est à vous. D'où il vient, cet argent ? C'est une partie de la récompense offerte pour votre capture. Dès le début, j'avais bien l'intention de partager cet argent avec vous. En tant qu'ennemi de la Shinra, nous n'avons aucun intérêt à nous déchirer. Et t'aurais fait quoi s'il nous avait bouclé, hein ? Dans ce cas, j'aurais trouvé une solution. Mais vous vous en êtes tiré, alors te plains pas. Maintenant, tout ce qui nous reste à espérer, c'est que Yuffie réussisse. Ah, vous attendez un nid de pie. C'est où, nid de pie ? On va avoir pas mal de quêtes, j'imagine.
C'est où Nidpi? C'est quoi Rini de Pi? Ah mais c'est peut-être au-dessus. Je sais pas. ouais, pas mal de quêtes secondaires. Quand j'aimerais bien finir de manger. Moi c'est pas grand chose, il me reste quelques bouts de. Quelques crocs de tarte aux pommes. C'est pas là Nidpi hein. Non, Nidpi, je crois que c'est là-haut, hein. C'est vraiment là-haut. Bon, on a des petites quêtes en plus. J'avais qu'une chose à dire par rapport à ce qui vient de se passer. Je suis pas ton pote, mec. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait penser à ça quand il a dit mon cher ami, je suis pas ton ami, mon pote. Hop, tu me dis quoi, hop? Tiens, vous êtes aussi de passage à Sujun. Sujunion? Une ville où le soleil ne brille jamais, cachée dans l'ombre d'une autre. Au moins, nous ne risquons pas de nous sentir dépaysés. Ah bah, clairement pas. Pardon. Mais du coup, le niveau, il est synchronisé. Donc en fait, même si je prends beaucoup de niveaux et tout, je me ferai toujours déchirer si je l'avais à niveau max. C'est ça l'idée, hein. Je crois bien que c'est ça. Alors. J'aime bien t'acheter ça. Et j'aurais peut-être dû réfléchir avant de choisir, mais... C'est très bien comme ça. Je me demande dans quelle partie du monde nous allons nous retrouver la prochaine fois. C'est excitant. Pardon. Je deviens fou. Je deviens fou. Alors, c'est quoi que j'ai eu? Foudre et glace, hein? Non, foudre et vent. Ok. Et bah, tu m'enlèves ça. Ah non, comment j'enlève? Hop, et tu mets... je vais même le mettre là. Tu me mets foudre et vent. Sème le vent, récolte la tempête. Foudre et vent et... Magie auto, non, spécialement. Ah, mais c'est ça, putain. J'ai enfin compris comment utiliser technique. Ah, je me fatigue, putain. Bah vas-y, go, virer, je vais virer la foudre. Et on va mettre ça, putain. Je suis tellement con, c'est une dinguerie. Mettons du feu, allez hop. Ah, j'ai déjà du feu. Mettons de la glace alors. Hop. On a quoi de beau qui pourrait être sympathique? Et bah, rien d'autre de spécial. Ah, mais si, j'ai des trucs là. Paix augmentée, allez hop. Voilà. C'est ça que je voulais faire de base. Oui, c'est ça que je voulais faire. Titan. Ok, ok. Go parler à madame. Là, on va récupérer les quêtes un peu partout. On va faire les quêtes secondaires, je vous le dis. Hein. Sauf si. Est-ce qu'on monte tout de suite? J'ai bien cru qu'ils allaient se mettre sur la gueule. Ouais, vas-y, go faire les. On va faire des quêtes secondaires. On fait au moins toutes les quêtes secondaires. On fait pas toutes les explos, ben mais on fait toutes les quêtes secondaires. Vous avez rien de mieux à faire que de traîner ici? Si vous comptez ouais, rester quelques temps dans le coin, il se trouve que j'aurais justement un truc à vous demander. Le reste de la récompense, dis-nous. J'aimerais le faire parvenir quelque part. Vous aurez qu'à suivre ce chien, il sait où aller. Il s'appelle Cabillo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer qu'il arrive à bon port avec l'argent. Ça nous dérange pas de nous en occuper, mais est-ce qu'on peut savoir à qui il est destiné cet argent? C'est pour mon fils. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Depuis qu'il est parti d'ici sans me demander mon avis. Cet argent est un moyen de couper les ponts avec lui. À son âge, c'est plus vraiment un enfant. Il est temps qu'il apprenne à voler de ses propres ailes désormais. Il est au nid de Pi. Il en a eu marre de vivre dans l'ombre, et aussi de mes méthodes pas assez radicales. Alors il a rassemblé quelques compagnons. Ils agissent ensemble depuis la périphérie de Junon. Franchement,
Si c'était pour partir d'ici, il aurait pu choisir un endroit bien plus éloigné. On fait pas les choses dans la demi-mesure. Comme j'ai dit, à couper les ponts. J'ai déjà largement de quoi m'occuper avec ce village. Je considère que j'ai amplement rempli mon rôle de maire. Maintenant, c'est à lui d'aller où il veut et de vivre comme bon lui semble. Et puis, j'ai quelqu'un pour me tenir compagnie ici. N'est-ce pas, Cabillaud ? Bien, je compte sur vous. Pour votre récompense, vous aurez qu'à dire à Toby que vous venez de ma part. Lui aussi, il est au nid de Pi. Et faites gaffe. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Cabillaud, je vous le ferai regretter amèrement. Veillez donc à bien le protéger. Eh ben, let's go. J'ai le temps de tout bouffer pendant la cinématique. Rufus, on t'en... Ah, quoi ? Rufus, on t'en... Croix. Ah ! Ça m'intéresse. Dis donc, elle est pas de travers, celle-là ? Attends, mais wesh. Ouais, ça m'intéresse. Parce que la... La quête avait l'air... Enfin, la zone était... Attends, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est le truc de la grenouille. Déjà parce que c'est une référence à la quête de la grenouille d'FF7 Remake. Et aussi parce que la zone était un peu spéciale et il y avait des enfants autour. Faut m'expliquer à quel moment... Pardon, je change de truc. À quel moment il y a des enfants entournés... Enfin, dans un truc de... Tellement de poison. Enfin, je sais pas trop ce que c'était. C'était un peu bizarre le truc. Ils ont dit interdit aux adultes. C'était bizarre, bref, ça m'a intrigué. Du coup, toujours pas de mini-jeu ici, hein. Quel dommage. Bon, c'était un combat de boss. Il allait forcément y avoir un truc là-bas, mais. J'aurais kiffé un mini-jeu, moi. Alors. Regardez-moi ça, et d'où les enfants ils traînent là? Genre, ça n'a aucun sens. Ils se sont transformés en grenouilles, les cons. Je suis sûr c'est ça. Crois. Hein ? Drôle de grenouille. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Je vous préviens, cet endroit est interdit aux adultes. Oh. T'es un humain ? Bien sûr que oui. Je sais pas si c'est à cause du réacteur Mako qui est au fond de la mer, mais bizarrement, quand on vient ici, on se transforme tous en grenouilles. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pour ça. C'est qui, eux ? Ils sont pas de la Shinra, au moins ? Oh non, ça risque pas. Oh, mais attendez. Priscilla m'a parlé de vous, en fait. C'est vous qui avez tué un gros monstre dans le port. Oui, exactement, c'est nous. Alors, t'es un copain, Priscilla? Sans plus, on se connaît depuis qu'on est tout petit, c'est tout. Y a pas beaucoup d'enfants dans notre village, d'abord. Alors on se connaît tous, c'est normal. D'accord, je vois. Mais dis-moi... Qu'est-ce que vous faites tous ici? Ça se voit pas? On joue à saut de grenouille. C'est beaucoup plus marrant quand on y joue à plusieurs. Puisque vous êtes ici, vous voulez essayer vous aussi? Ah! Aidez-nous! Ok. Cloud, pourquoi les monstres qui se transforment pas en grenouille? Oh! Tifa! Ben, je vous avais prévenu! On se transforme tous en grenouille quand bah on oui, joue. Bah oui, logique. Bien sûr. Quoi? Ça n'a aucun sens. Je peux rien faire. Hein. Je peux juste sauter comme un trou de balle. Mais ça n'a aucun sens. On est des grenouilles. Alors, votre personnage vient de subir l'altération d'état crapaud qui se transforme en batracien. Dans cet état, il peut uniquement effectuer des attaques normales et utiliser bulle batracienne. Attaque restaurant des PV. Ainsi que dans saut de crapaud. Vous pouvez toutefois lui rendre son apparence normale en utilisant un sort de guérison ou encore
l'objet baiser de jouvencelle. Moi j'ai envie de rester comme ça, c'est rigolo. Ninja! Moi je vous explose moi! Qui est le patron ici? Qui est le patron ici? Saut de crapaud! Bam! Ouh! C'est trop drôle en vrai! Viens là toi! C'est les crapauds ninja! J'aime bien, on a une mini broyeuse dans le dos là! C'est trop drôle, j'aime trop la quête! Je m'attendais tout sauf à ça! Hein. Mais putain! Attends, mais il y a tous nos potes et tout! Attends, je veux voir leur quête! Bon, lui c'est Barrett! Forcément, il est énorme! Là c'est Iris, elle a une fleur! Là c'est Tifa! Avec sa tenue noire là, elle a même une jupe. Et Rouge 13, il est où? Ça c'est Barrett. Rouge 13, il est là-bas. Bah du coup, il est rouge, quoi. Ça va, on te dérange pas, frérot? Je l'ai mis en choc. Je l'ai mis en choc alors que j'étais un crapaud, hein. Tout va bien. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça me termine. Youpi, youpi, youpi. Je suis mort. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Bon, maintenant, on va enfin pouvoir jouer tous ensemble à saut de grenouille. Crois. Alors, je vais vous expliquer les règles. Oh, let's go, un mini-jeu. Trop bien. Moi, je voulais un mini-jeu. Alors, bon, je m'attendais pas du tout à ça. Ça n'a aucun sens, mais... Trop bien. Alors, ce grenouille est un jeu dans lequel vous prenez une apparence batracienne et devez rester si longtemps que possible sur une plateforme. Pour cela, vous devez éviter les obstacles qui approchent en sautant en rond, puis mettre à l'abri. Et vous mettre à l'abri en courant R2, vous perdez si vous tombez. Ça va ? On peut commencer ? Je sais pas d'où sort la plateforme, mais ok. Je prends. Je vois cette grenouille. C'est parti. C'est trop drôle, j'aime trop. Franchement, le jeu, il est incroyable. Et le fait qu'il rajoute des mini-jeux, des jeux dans les jeux, ça, je trouve ça génial. J'aime trop quand il y a des trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Recommençons, hein. Je m'attendais pas à cette physique-là. Enfin, et puis la musique. J'ai cassé le jeu ou c'est moi là? Je peux le toucher? Je dois toucher comme ça? J'ai cassé le fun du jeu. Là je peux faire ça pendant longtemps. Hein. Ah! Toute la difficulté réside là-dedans. C'est que je peux plus tourner maintenant. C'est ça le piège! Quelle tristesse! Je pensais que j'avais tout niqué. C'est pas facile. Faut pas se faire perspectivette quoi. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Je suis seul en vie. Je vous baisse tous. Je vous baisse tous. Non. Allez, tiens, non. Juste avant la fin, putain. Alors, c'est super marrant, vous. J'adore. Ouais, j'ai vu pire. Oh, quel gros chou. Merci d'avoir joué avec nous. Vous pourrez revenir quand vous voudrez. En tout cas, t'avais l'air de bien t'amuser. Oui. Tu peux parler. Moi, ça me fait rire, j'adore. On devrait jouer de temps en temps.
Ouais. Non, ça va. Si. Je préfère éviter. Si. Croa, croa. Mais croa, croa. Croa. Croa, croa, croa. Je veux jouer, je veux jouer. Ah, mon affinité avec Tifa évolue en plus. Clin d'œil, clin d'œil. Croa, croa. Oui, je veux jouer. Bon, du coup, c'était bien du poison, hein, mais c'était du poison grenouille, quoi. C'est un peu spécial. Je me disais que ça avait pas trop de sens que les gosses y soient. Que les gosses y soient. Ils soient là, dans le truc, là. Alors, je trouvais ça vraiment bizarre. Et bah, ceci explique cela. Je récompense max. Hein. Moi, en mini-jeu, je veux tous les réussir à fond. Hein. Rabbit. Rabbit. Là, j'en fais la moitié. Rabbit. Oh putain, quel enfer. On va y arriver. Juste tester un truc. Je pense pas que ce soit possible. Ah non, on peut vraiment pas toucher. Je voulais essayer de monter sur l'aiguille, puis monter sur l'autre aiguille, puis aller tout en haut là. J'imagine déjà des gens qui essayent de faire des heures et des heures de ça. Sur speedrun.com. Je vois déjà le titre venir de l'épisode. On va jouer. Ah! Ah mais non putain. Le con, je me suis fait bait, je crois que c'était la plateforme à côté, pas celle où j'étais qui est en train de tomber. Ouais, je vois déjà le titre. On joue à saut de grenouille ou un truc dans le genre. Ouais. Et puis une grosse minia en gros plan avec tous les igouiguilles là. On verra. Mais c'est drôle. C'est-à-dire qu'on aurait déjà pu avoir fini. Mais on n'aura pas eu le plaisir de refaire, mais... Allez, on est reparti. Hello, hello. Pélo, pélo. Ah! 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 La musique qui met la pression là. On bat hardcore, on bat hardcore. On est des fous. On est des fous. Oh putain. Ça va, on s'est bien débrouillé. Croix, croix. Let's go. Croix, croix. Alors vous rejouez? Non, non, c'est bon. Voilà, on a réussi le meilleur temps. Je suis content. Bah, j'ai trop kiffé. Kelo, kelo.
Kero Kero. J'ai trop kiffé, mais j'aime trop le jeu. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Le jeu est juste génial. C'est du fun. Un maximum de fun. Bon, toujours pas de mini-jeu ici. Hein. Ça, c'est d'une tristesse. Bah on va suivre le chien, je pense. J'ai tout là-bas. Le chien, je sais pas où il va m'emmener, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais vérifier juste s'il n'y a pas d'autres quêtes hein, dedans. Je vois pas d'autres quêtes. Non. Et bah, go suivre le chien. C'était bien fun. Moi, j'ai bien aimé. J'espère trop qu'il y aura un autre truc comme le Wall Market. Ça serait trop bien. Genre une autre zone où vraiment ouais. On fait les ouaves et tout. Genre. On se charge de te protéger. Alors t'as pas à t'inquiéter. Peut-être le golf ce soir sera un peu comme ça. Je croyais qu'il y avait écrit suivez le clébard. Je sais mais comment ça moi. Hey Cloud. Quand est-ce que t'es parti de chez tes parents toi? À 14 ans. Ah non. C'était au printemps, alors j'avais encore 13 ans. Ah. À la campagne c'est souvent comme ça. Et ta mère qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'y était pas opposée. C'était plutôt normal dans mon village à cet âge-là. Mais... Mais quoi? Elle m'avait donné 2000 guilds. Elle disait qu'il me faudrait au moins ça pour démarrer dans la vie. Ta mère a fait comme Rhonda, alors. Sauf que moi, j'ai refusé. J'allais m'engager dans l'armée. J'en avais pas besoin. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu demandes toujours 2000 guilds. J'espère que ça te plaît, gâche de là! Fait mal, hein? Bon, côté, c'est une nouvelle sœur d'Aris. You, Clips? Ah, y'a bas. Y'a un truc là-bas, allez checker. On repassera. Attends, je vais mettre un pin parce que je sens que j'ai oublié. Ah bah. Ok, y'aura. Y'a un coffre donc c'est bon. C'est bambon! Bouge pas. J'arrive. Bon, ça va, il nous attend en vrai. Ça va, ça va. Bon, ça, il est full life, hein. On fait bien notre rôle de protecteur. Je vais y arriver, promis. Ouais, bon, ces trucs-là, il y en a à chier. Hein. Ça a respawné. Je sais pas, il y avait un petit logo bizarre. Je sais, peut-être que c'est spécial. Et aussi, il y avait le fait qu'il y ait un. Ça soit en bourse. Je sais pas ce que je veux dire. C'est une petite bourse. Excusez-moi. Hello my friend. Pourquoi j'ai plus de vie comme ça? Ah putain mais ça va pas heal des trucs des crapauds là. Aïe 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 aïe. Je vais m'en occuper. Je prends les devants. Soit étincelant, crée un saut magique renforçant les attaques normales d'Aeris, annulant les dégâts subis par elle et ses équipiers, l'endurcement de sort. Avec ça, on est en bataille. Ah, j'ai pas de soin avec Aeris! Ah, quel trou de balle! J'attendais que ça! Je suis dans le saut! Soin! Comme pareil! C'est tendu! Et en plus, avec 3 soins. Hop! Sort! La musique est trop bien! À toi de jouer! À mon tour, c'est ça? Oh! Mais c'est trop bien! Fallait pas m'énerver! J'aime trop! Oh, il est trop bien! Déma! C'est trop bien! Le jeu est trop bien, je suis désolé, le jeu est trop bien. Eh, faut accélérer, mon gars. Tu vas passer vite là. Hey, Cloud. Quoi? Ouais, quoi? Certains parents laissent pas leurs enfants voler de leurs propres ailes, hein. Ils disent qu'ils sont encore trop jeunes ou trop naïfs, ou une autre excuse du même genre.
Ouais, peut-être. Comme toi, Barrett, non? C'est même sûr. Mais moi, tu vois, j'ai décidé que je ferais jamais un truc pareil. Je tiens à respecter le désir d'indépendance de Marlène. Bah quoi? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Tu crois que j'en suis pas capable, c'est ça? Exactement. Je suis assez d'accord. Non, t'as raison! Je me suis promis que je la laisserais partir, mais je sens que j'y arriverai pas! Marlène! Je t'en supplie, t'en vas pas! Oh, je m'imagine déjà la scène! Je vais rester avec le chien, j'ai pas envie qu'il meure. Dans le doute. Tant pis, je rate des choses, mais c'est pas grave. Je vais refaire le truc avec Harry, ça c'est trop bien. J'ai trop kiffé. Ya! Attends, si je fais ça. Ah, ça fait des. Ça refait des attaques. Mais wesh! Ouais, calme, mais stop! Oh! Mais. Eh, vous m'avez saoulé. Allez, tapez-moi, osez me taper, osez me taper! Moi je vous déglingue, moi. Harry, ça devient un mastodonte, genre il y a tout qui a tout pour la protéger et tout. J'aime trop. Là je joue, un mage là. Là on a vraiment l'impression de jouer un mage, c'est dingue. J'aime trop le jeu. Suive le clébard. Putain, là, je ramasse les petites ressources là. Ouah. C'est parce que je suis avec le chien, je crois qu'il y a cette musique. C'est Azu. Je vais le coucher. Hop les coucher. À mon tour. J'ai pas visé lui. C'est pas vrai. Je vais te montrer ce que je sais faire. Il n'aime pas le vent. Leur objet a une certaine quantité de dégâts. Les ancestrales effectuaient pic meurtrier, mais esquiver ces techniques les mettra en état de fragilité. D'accord. Attendez. Encore un. Et voilà. Oh, j'aime trop le jeu, la musique est trop bien. Ah si, je veux tester un truc. Merde. Ah. Effectuer une attaque magique devant confère les effets bravoure et foi au physique. Oui. J'ai pas vu ce que vous avez. Bon, on verra la prochaine fois. C'est pas grave. Bouge pas le kleps, hein, j'arrive. Je récupère juste la tour. Ça me permettra de me re-téléporter. Ouah. Ouais. C'est quoi ce logo? Rapport Mog. Sale bête. Je vous ai dit que j'aimais pas les Mog. Bah je vous le redis, j'aime pas les Mog. C'est, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une des mascottes ou je ne sais quoi qui sont toujours dans un jeu que j'aime pas. Genre dans A Plague Tale, pas A Plague Tale, dans Xenoblade Chronicles 2 ou même le 1 du coup, je crois qu'il y en a. C'est les
C'est les merdouilles là, avec leur, leurs oreilles, c'est des ailes. Et bah eux, je les aime pas. Du coup. Je comprends pas bien le sort. Ah ok, d'accord. J'ai compris. Ils augmentent mes dégâts et ma magie. C'est moi ou le chien, ils attaquent là. Oh. Wouf wouf. Allez, je te suis. Heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que je suis pas allé chercher le. Oh. Bouge pas, mon grand, hein, j'arrive. Heureusement que je suis pas allé. Les clouds. Heureusement que je suis pas allé chercher le mec des cartes avant de faire cette mission là, parce que j'aurais dû refaire le chemin, ça aurait été un peu ballot. Comme quoi des fois faut se laisser vraiment guider par le jeu. Hein. Moi c'est même pas des fois, c'est tout le temps, faut tout le temps se laisser guider par le jeu. Waouh 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 waouh. Et on va pouvoir refaire des cartes, ça c'est cool. Waouh 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 waouh. Marlène. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh. J'imagine déjà quand elle quittera le nid. Oh. J'y arriverai jamais. Calme-toi un peu, Barrett. Même si elle décide un jour de partir, ce sera pas avant longtemps. Ouais, c'est vrai. T'as raison, Cloud. Faut vraiment que j'arrête d'imaginer des trucs comme ça. Fatigue. Elle partira pas avant pas mal d'années. Croise les doigts. Il me fatigue. Hop. On est reparti. Bon, j'ai raté plein de trucs hein, sur le chemin là. Bon, ça va, ouais. C'est loin, hein. Il nous fait beaucoup marcher, hein, le Saligo. Le Saligo. Nouvelle zone. Oh, vas-y, je vais le faire vite fait. Vite fait. Na 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 na. Très bien. Ah, j'ai pas eu le buff magique. Ah, c'est bon. Je pense aussi que j'ai ça. Hein. Tiens, 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 tiens. C'est bon quand ça s'arrête. Bah non. Je suis pas d'accord. C'est bon quand ça continue. J'étais obligé de la faire celle-là. C'est vrai que le chien il décède. Le temps que je fasse ma petite manip là. Enfin mes petits trucs là. En vrai c'était vraiment pas utile de mettre le mode Assassin's Creed, enfin, si un petit peu mais. Le truc Uncharted là, franchement c'est on est un peu lent, c'est bien les échelles. Après si c'est tout aussi rapide qu'une échelle, c'est bien, ça varie un peu le... Ça varie un peu l'animation, donc why not, mais bon. Ah mais c'est à côté le Mog. Ah je disais bien, je voyais un champignon bizarre là. On va qu'on revienne. La la la, la la la. Oui! Oui! Oui, t'inquiète. Le fait de traverser comme ça, ça m'empêche d'explorer, ça me stresse. Je fais pas tout sur le chemin là. Je passe à côté, mais je fais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain! Oh, ça va. Je croyais que c'était plus gros que ça. Touchez pas au chien, hein!
Un de vos personnages subit l'altération d'état pétrification. Recevant un certain montant de dégâts lui infligera pierre, laquelle l'empêchera de bouger et le rendra inconscient. Tâchez donc de vous déplacer afin d'éviter de subir les dégâts jusqu'à ce que l'altération d'état se dissipe. On utilise le sort guérison en remède pour le soigner. D'accord. Ils ont tapé le chien. J'ai eu les glingues. Ils ont touché le chien. Ils ont touché le chien. Je vais déglinguer. Juste question. Magique en faisant. Ah oui. Ça. Création magique en faisant des attaques normales d'Iris et annulant les dégâts subis par elle. Ok, c'est que les. C'est que elle qui augmente ses dégâts. Enfin son attaque. Cloud, j'ai besoin d'une petite analyse, s'il te plaît. Ils aiment pas le vent, infliger des attaques à l'aura qui les entoure. Infliger des attaques à l'aura qui les entoure l'affaiblira, mais provoque des tornades. Dissiper cette aura l'infligera à l'état de fragilité. Les attaques par derrière atténuera leurs auras sans causer de tornades. J'aime trop jouer Iris. Et voilà! Ya! Cette fois, je suis fâché! Heureusement que je suis là, hein! Le fait bien, y'a pas de temps mort! Je peux soigner le chien? Ah non, ça aurait été drôle. Let's go! Vas-y Iris, déglingue-le, déglingue-le! Vas-y, fais-lui bien mal! Vas-y, fais-lui bien mal! Il est content. Il est content. Là, tout ce que je rate là. Je rate des choses, je rate des choses. On va pas tarder à se laisser d'ailleurs, hein, parce que là, avec les 15 minutes en plus, on est à une heure. Une heure, ouais, quasiment 1h10 là. Ah, la boulette. Ouais, je vais pas faire traîner l'épisode plus longtemps en plus, parce que le rendu il va mettre 10 ans. Pouf pouf. Cabillo ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Comme d'habitude, t'es toujours plein d'énergie, toi. Tiens, vous êtes qui, vous ? C'est ta mère qui nous envoie. C'est ta mère. Pour escorter Cabillo juste ici. Parce qu'elle lui a remis un peu d'argent de poche pour toi, vois-tu ? Si ça vient de ma mère, alors j'en veux pas. J'ai pas besoin de son aide. Dylan, qui sont ces gens ? Claire, tu devrais pas venir ici. Et si jamais tu faisais une chute ? Quoi qu'il en soit, je refuse de prendre ça. Partez. Et emmenez Cabillo avec vous. Eh ben, t'es vraiment aussi têtu que ta mère, dis donc. Mais on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Oh. Prends-le, c'est pour vous deux. Oh. Hein ? Tant que ça ? Si vous en voulez vraiment pas, vous pouvez le rendre, bien sûr. Mais bon, attendez au moins jusqu'à la naissance du bébé. Quand vous serez parents, vous changerez d'avis. Croyez-moi. C'est vrai que ça peut servir. Bon, d'accord. Dylan ! Je me demandais où t'étais ? Toby. Désolé de pas être arrivé plus tôt. Vous êtes bien les gens d'Avalanche ? Rhonda m'a dit que vous viendriez ici. Avalanche ? Tu veux dire que c'est eux qui ont détruit les réacteurs Mako ? Oui, les gens qui portent tous nos espoirs. Ah, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. En fait, puisque vous êtes là, j'aurais un petit service à vous demander. En ce qui concerne Dylan, j'imagine que vous avez rempli votre mission. Ouais, c'est réglé.
Bien, dans ce cas-là, j'aimerais vous expliquer sans plus tarder ce que j'ai à vous demander. Venez, s'il vous plaît. Ça nous en fait des choses. On va s'arrêter là du coup YouTube, je traîne pas trop pour que le rendu soit pas trop long et que je puisse publier la vidéo assez rapidement, que je puisse la supprimer pour faire de la place rapidement parce que je commence à plus avoir beaucoup de place déjà, alors que c'est que le deuxième stream. YouTube, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite. Portez-vous bien, prochain épisode on continuera les quêtes secondaires, je pense que prochain épisode ça sera que du quête secondaire, je pense, on verra. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée et à la prochaine, bye bye.